Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un peu hors-série consacré à Stellaris. On va parler aujourd'hui des nouveautés sur le développement des prochaines mises à jour du jeu. Parce qu'on a Martin Arnward qui est le game director du jeu qui est assez bavard sur Twitter ces dernières semaines. Il nous met pas mal de screenshots. Et du coup je me dis que doit peut-être y avoir du monde parmi vous qui ne le suivent pas forcément ou vu que c'est en anglais ne font pas forcément gaffe à ça. Donc la prochaine update s'annonce franchement assez sympa. Et c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo dessus pour vous tenir au courant et que vous voyez un petit peu les nouveautés qui vont arriver. Donc en fait ça fait comme je disais quelques semaines qu'il nous met des screenshots. Donc du coup si je vous montre par exemple ce premier screenshot, donc sur ce premier là. On voit la planète Terre et on voit que graphiquement déjà la planète Terre ne ressemble plus du tout au même truc. Si on zoome un peu, ça fait un peu genre à la Coruscant dans Star Wars, c'est-à-dire planète-ville. Et en fait, si on regarde ici, on voit tout de suite population 102. Donc déjà, c'est un changement assez important. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de refaire complètement le système de tuiles sur lequel est basé le jeu normalement. Et du coup, en fait, ça retravaille complètement comment fonctionnent les populations et comment fonctionne la répartition du travail. Et il y a encore pas mal de trucs comme ça qui ont été changés. Et puis comme vous pouvez le voir aussi, en plus, il y a un truc là, redacted, c'est-à-dire, on sait même pas, quelque chose de caché qui nous masque pour l'instant. Alors si on passe au deuxième screenshot, attendez, voilà. Donc si on passe au deuxième screenshot, là, on a une nouvelle interface qui est une interface d'achat et vente. Donc on voit c'est un marché, donc ça sent un petit peu l'extension, l'extension commerciale peut-être. Donc du coup si on regarde sur les ressources, vous voyez c'est pas les mêmes ressources que d'habitude. Normalement on avait que énergie et on peut supposer que ça c'est minéraux, mais c'est pas tout à fait le même icône, il a un peu changé. J'imagine qu'ils l'ont changé pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc ça en fait ça a été changé, donc on a toujours énergie, ça a pas bougé. Minéraux et nourriture. Et après on a des nouveaux types de ressources, donc ici on a... Je sais pas, peut-être des matériaux composites ou différents types de ressources secondaires comme ça. Ici, on a quelque chose qui ressemble à une bague, probablement des ressources de luxe. On verra un petit peu dans les prochaines screenshots en quoi ça pourrait paraître logique que ce soit ça. Pareil, ça, je sais pas trop. Ça, à la base, c'était le métal vivant. Peut-être que ça va être changé. On a différents types de cristaux, de gaz, de matière noire. Ça, c'était le neutronium à l'origine. Et ça, c'était des espèces de sable ou de sel, je sais pas trop. Enfin, en tout cas... certaines de ces ressources qui avant étaient des ressources stratégiques semblent avoir été transformées en ressources standards en fait. Ou du moins peut-être qu'il y a toujours ces trois ressources là qui sont les ressources de base et celles-ci qui sont des ressources secondaires. Mais on va voir dans les prochains screenshots qui va me faire un petit peu spéculer sur l'utilisation de ces choses là. Donc si on regarde, on voit du coup que le marché est partagé parce qu'on voit le dernier commerce qu'il y a eu. Donc le marché est partagé entre toutes les espèces de la galaxie, je pense. Ici, on voit achat et vente et on retrouve du coup les coûts à la vente et les coûts à l'achat, quoi, en gros, hein, en fonction de la quantité. Donc bien entendu, ces valeurs-là doivent varier en fonction de l'achat et vente sur le marché et en fonction de la loi de l'offre et de la demande, hein, tout simplement. Et on voit, regardez en bas, on a market et ici, c'est un peu caché, on a marqué Slave Market, donc c'est marché d'esclaves. Donc on a marché et marché d'esclaves, donc ça c'est nouveau aussi. Et après on peut mettre en place aussi du coup un commerce automatique, donc ça peut être intéressant. Du coup de pouvoir configurer pour tous les mois en fait acheter en échange par exemple d'énergie, un petit peu de nourriture quoi. Et ça doit être probablement au montant actuel. Voilà. Et puis on a 30% que prend le marché, ce qui est absolument énorme. Et vu que c'est une valeur en jaune, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des trucs, genre des traditions, quelque chose comme ça, qui permettrait de le réduire. Bon, si on passe ensuite au screen suivant, on est sur le designer de vaisseau. Et il faut regarder quels sont les changements. Alors, on voit déjà qu'il y a toute cette partie tout en haut qui a été masquée pour pas qu'on voie. Mais déjà, une des premiers trucs qu'on peut voir, c'est le coût de production utilise ces deux ressources-là et plus la ressource de minéraux. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on a de l'équipement spécial qui demande des ressources spéciales et l'équipement de base demande ça? Ça, c'est un peu ce qu'on a, par exemple, dans Endless Space. Ça m'étonnerait que ce soit le cas ici. Oups là, pardon. Ça m'étonnerait que ce soit le cas ici. Je pense vraiment en fait qu'ils essayent de ventiler les coûts de construction sur différents types de ressources. Donc du coup, 140 de ça, on voit qu'il n'en a pas énormément en plus. Et 10 de ces cristaux là. Après, est-ce qu'on a autre chose qui a changé? J'ai pas trop l'impression.
Sur le reste, on est toujours un petit peu sur les mêmes choses par ici. Par contre, on voit direct en haut qu'on a toujours bon, énergie, cristaux, les fameux trucs qu'on a là, à nouveau l'influence. Et on retrouve ici, effectivement, si on compare avec celui-là, on retrouve un petit peu ça. Donc, je me demande si ce qui est redacted, c'est pas les autres... les autres ressources qu'on voit là, mais je ne sais pas. Donc bon, pour l'instant, en termes de spéculation, c'est juste que les vaisseaux spatiaux vont coûter différents types de ressources. Ce qui est nouveau, vu qu'avant, il n'y avait que les minéraux. Ensuite, sur ce nouveau screen, on a... c'est juste le breakdown. Alors là, en l'occurrence, c'est pour une espèce synthétique. On voit notamment, si vous voulez, le coût surtout. Donc, c'est Unemployment Subsidies. Donc, les Unemployment Subsidies, c'est les droits au chômage. On peut le traduire comme ça en français. Donc, c'est le coût que coûte cette unité de pop. Parce qu'apparemment, elle n'a pas de travail. Voilà. Parce qu'on a Ruler Living Standard. C'est quoi? Ça doit être Full Citizenship et Social Welfare. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des très bons standards de vie. Donc, ces très bons standards de vie, on voit qu'ils coûtent cette fameuse nouvelle ressource, là, en plus de l'énergie. On voit qu'ils ont des nouveaux besoins en termes d'habitation, housing. Ça, c'est une nouveauté aussi, le housing. Production, rien du tout, parce qu'il est au chômage, apparemment. Hein. On le voit ici, d'ailleurs. Hein. Unemployed, de type noble. Alors, noble, apparemment, il y a aussi une notion de strate sociale qui va être représentée dans le jeu. Donc, on va voir ça dans les prochains screens. Je pense qu'on les verra un petit peu mieux. Donc là, c'était vraiment juste pour voir un petit peu les nouveautés. Et du coup, il va y avoir, bien entendu, des nouveautés en termes de droit et des nouveautés en termes de politique. Voilà. Alors là, voilà, un des premiers trucs, des gros, premiers gros changements. Alors là, on voit tout de suite l'interface d'une planète radicalement différente. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que c'était avant. Donc, on retrouve quoi? On a une taille 16 ici. Et on voit, si vous voulez, ici, en fait, c'est ce qu'ils appellent les districts. Donc, on se retrouve ici avec... on a 16 emplacements total, apparemment, parce que c'est... Ils ont quand même gardé le concept de taille de planète. Et sur ces 16 districts, on en a 11 qui sont occupés, au total, je pense. Sachant que j'ai l'impression qu'il y en a 4 qui sont de type habitation, 2 qui sont de type industrie, 3 qui sont de type, a priori, hein, je spécule là, hein, j'ai pas l'information, mais 3 qui sont de type, comment ça s'appelle, production de nourriture, et 2 qui sont de type, je sais pas trop quoi, peut-être recherche, non? On voit ici du coup, production des ressources, on a cette ressource là, inconnue au bataillon, je sais pas ce que c'est. On retrouve énergie, minéraux, nourriture, ça c'est la recherche, on retrouve nos 3 éléments de recherche, ça c'est l'unité. Et après encore ces nouvelles ressources ici, et on a l'upkeep ici par contre, ça doit être les moins 17 c'est par rapport à la pop qui est sur place, moins 10 c'est par rapport au standard de vie je pense des différentes populations, ça il doit y avoir le maintien de la population et des bâtiments là-dedans. Alors on retrouve ici du coup, alors il y a ces espèces d'emplacements là, je sais pas trop à quoi ça correspond, combien il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc il n'y en a pas 16, donc ça correspond pas exactement au même nombre. Après on revoit ici, on a 2 qui sont occupés, il semblerait qu'il y ait un emplacement de libre et des emplacements peut-être bloqués, c'est peut-être les nouvelles tuiles qui sont bloquées, qu'on a un maximum de certains types de districts et les seuls qui ne sont pas limités c'est les districts de cité peut-être, je sais pas, je spécule complètement là-dessus. Après on retrouve quand même des bâtiments, mais comme vous pouvez le voir les bâtiments ne sont pas construits sur une tuile particulière, ils sont construits à la chaîne, et sachant que les emplacements se débloquent en fonction, et ça je suis à peu près certain que c'est la population, donc à 50 de pop ça se débloque, à 100 de population, à 110 de population, et on a de plus en plus d'emplacements. Alors, on va voir sur un autre screen un petit peu plus loin les différents bâtiments qu'il y a. Si on regarde un petit peu en haut, on a un truc de dépôt, je sais pas trop à quoi ça va correspondre ça, est-ce que ça va être des dépôts de... Mais on voit qu'il y a vraiment une... Les dépôts ne sont plus sur des tuiles directement en fait. Il n'y a plus de tuiles en fait directement. C'est juste des slots de districts qui sont disponibles a priori. Et donc du coup on peut construire des nouveaux districts. Je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas encore combien ça coûte ni comment ça se fait. On a des décisions donc ça n'a pas trop changé. Il y a ça. Alors ça c'était le niveau de risque de révolte. Ça n'a pas changé mais ça c'est nouveau. Vu l'icône que c'est l'icône de stabilité d'Europa Universalis, donc il y a des chances qu'ils mettent en place un système de stabilité du gouvernement, un petit peu comme ce qu'on retrouve aussi dans Heart of Iron 4. Ensuite, si on regarde un petit peu en bas,
On a 43 de ce signe-là. Alors, je sais pas, est-ce que c'est peut-être la dynamique économique. On va le voir, je pense, sur un autre screen. On verra un petit peu mieux. On trouve ici ensuite le nombre de pop. Là, je sais pas trop à quoi ça correspond parce que c'est exactement le même nombre de pop. Alors, je pense que la souris est sur cet élément-là et on voit du coup Relord Job. On a deux administrateurs, des jobs de spécialistes et jobs de worker. Alors ça, c'est ce que je disais, c'est les différentes strates sociales en fait. On a la strate, on va dire aristocrate. Ça ressemble un petit peu à... C'est Space Victoria 3 en fait. Ruler Jobs, métier pour les spécialistes. Donc ça doit être la strate juste en dessous des dirigeants. Donc on a des artisans, enforcers, ça doit être quoi? Ça doit être des flics, un peu l'équivalent de ça. Des métallurgistes, deux de métallurgistes. Alors ça doit être ça, regardez, 1, 2. Ça doit correspondre à ça. Un chercheur. Et pour les workers, on a 4 clercs, 6 fermiers. Donc ça ferait 2 par tuile peut-être. 4 mines, alors ça c'est peut-être tout ce qui est effectivement, ça ce serait métallurgie et ça minéraux de base, extraction, ah, ça ce serait peut-être extraction minière en fonction des dépôts, je spécule hein, attention je dis peut-être de la merde, et ça serait métallurgie, c'est-à-dire peut-être processing de ressources de base qui permettrait de fabriquer certaines ressources avancées, donc genre ça, ça se transforme en ça. Ah ça c'est intéressant si ça serait ça, dis donc. Bref, je dis peut-être n'importe quoi les amis. Et on a du coup 4 techniciens après. Ce qui nous fait quoi au total? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 12, 18, 22, 26. Donc 26, ouais mais ça c'est le nombre de... Il y a 26 pop pour 26 jobs. Donc ça ce serait les gens employés probablement. Nombre de pop total, nombre de gens employés, c'est possible. Après on a une espèce de signe de culture on dirait, je sais pas trop à quoi ça correspond. Ça c'est les districts d'habitation clairement, ça ressemble à des... comment ça s'appelle, des buildings. Et après ça, ça doit être les gens qui n'ont pas de travail, je crois qu'il a zéro, on le voit pas très très bien. On va passer au truc suivant quand même pour... voilà, alors là du coup... Ah oui, alors vous voyez, on était sur le Planet Summary, maintenant on est sur population. Donc là on voit réellement le breakdown sur les différentes populations. Donc on a deux unités de dirigeants, donc on a deux unités de population dirigeante. On a, alors je sais pas trop à quoi sert, ouais je crois que c'est 6 qui sont au travail, ça c'est bizarre parce que du coup il y a deux pop différentes ici. Alors c'est peut-être qu'elles se différencient en fonction de leur orientation politique, ça c'est possible. Du coup on a 6 spécialistes, les spécialistes comme vous voyez ils génèrent de la recherche, apparemment eux ils génèrent 0,5 par personne. Alors attendez, si on revient en arrière, on avait 6 spécialistes, c'était où? Ah oui, spécialistes, c'est ici. Et 2, 4, 5, 6. Effectivement, on retrouve les 6 là. Ouais. Du coup, 6 spécialistes, 0 qui n'ont pas de travail. 18 travailleurs, donc 4 clercs qui, eux, nous produisent. Alors, cette fameuse ressource que je ne sais pas ce que c'est. Et qui nous produisent des biens de luxe, apparemment. Ici, on a ce plus 20 qui correspond à je ne sais pas quoi pour l'instant. Et 4 d'unité. Ok, bon. Alors ce qui est marrant, c'est que là, on a ces trucs qui sont ajoutés dans ce truc-là, alors que eux, ils n'ont pas ce truc d'administrateur, en fait. Les 6 spécialistes. Ouais, parce que c'est bien une strate différente à chaque fois. Bref, je spécule un peu. Si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas à me lâcher ça. Donc, on a le détail des pop, bien entendu. Donc, on retrouve les traits de l'espèce, normal. Conditions décentes, donc on voit qu'il coûte beaucoup moins cher que le robot qu'on voyait tout à l'heure qui était en mode social welfare, donc c'est sécurité sociale on va dire. Et après on a le job clerk, strad worker, donc c'est lui là, ah, mais on voit il a le tour un petit peu entouré de vert, donc c'est bien lui qui est sélectionné. Son bonheur est seulement de 55%, on retrouve ici d'ailleurs j'imagine le bonheur général de la pop. On voit aussi sur les démographies une population qui est en train de s'ajouter. On a Assembling, ça c'est pour les robots qui sont en train d'être construits, donc pour qu'ils se fassent en parallèle. Et en déclin, alors ça en déclin, ça doit être probablement les purges. Ceux qui vont en émigration, j'imagine, peut-être ce genre de choses. Faudra voir, peut-être s'il y a des problèmes de nourriture aussi, ceux qui sont en train de mourir, ce genre de trucs. Bon, on est à 100% humain ici, donc on aura un breakdown de la population, ce sera cool. On voit les robots, ceux qui sont en cours d'émigration. Ici on retrouve encore cette espèce de symbole de culture, je sais pas trop à quoi il correspond. Et on retrouve, alors... Les 4 districts d'habitation nous permettent d'abriter 26 au maximum, ou c'est 26 qu'on a maintenant, mais on peut en avoir plus, ce serait quoi attendez, si je reviens, non, je pense pas que j'aurai l'info après, avant.
Parce que divisé par 4, ça fait quoi? Divisé par 2, ça fait 13. Donc ouais, non, ça doit pas être 26 le max. Ça doit pas être 43 non plus parce que c'est pas multiple de 4. Donc ouais, je sais pas quelle est la capacité exactement pour les habitations. Par habitation. 9 x 4, 20. 6 x 4, ouais. Bref. Ah, et en plus, on voit effectivement que les pop ont des besoins en habitation qui sont différents. Donc lui, il produit... voilà, on va passer à l'étape suivante. Donc là... Alors là, on est sur du... Je crois qu'on est sur du robotique. Il me semble que c'est... Ouais, parce qu'on est sur un monde tombeau. Et on voit ce Nexus District qui... Ah, voilà. Donc, District Central, infrastructure planétaire plus 6. Ah, et vous voyez ici, on n'a pas le truc de culture, on a cette espèce de truc de maintenance un peu. Planet Housing plus 4. Donc là, on est à 11 au total. C'est-à-dire, bah, 4 x 4, ça fait pas vraiment 11. C'est bizarre. Ou alors... Ah, j'ai une idée. Ça, c'est le housing qui est disponible. D'accord ? Donc, il y a 4 emplacements de population disponibles. Du coup, lui, on est à plus 4 par emplacement. Donc, du coup, vu que lui, il en a 6... il en a 4, pardon. Donc, 4 x 4, 3 x 4, 12, 4 x 4, 16. Ouais, mais non, ça... À moins qu'il y en ait un de base qui nous rajoute genre plus 10. Genre la capitale planétaire qui nous donne plus 10, peut-être. C'est possible, ça. Bref, l'infrastructure planétaire, je sais pas trop à quoi elle correspond. C'est peut-être ce truc-là. Drone job pour les drones de maintenance. Donc là, on est vraiment... voilà, maintenance drone et crise, planète amenities. Donc là, ouais, ça c'est des trucs robotiques. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, puis on le voit rien qu'au nom en haut. C'est clair que c'est du robotique, ça. Là, on a un petit... Voilà, donc là, on a le détail des pop robotiques, justement. Donc, on a les drones pensants et les drones travailleurs. Donc, en termes de strat, c'est un petit peu plus simple. On voit de l'assemblage de drones ici. On voit notre pop, job de réplication. C'est un drone penseur. Il a 0,85 points de besoin de trucs. Alors, ça doit venir... Ouais, c'est parce que c'est des drones. Donc, du coup, ils n'ont pas vraiment beaucoup besoin d'habitation. Ils nous produisent... Alors, je sais pas trop quoi. Je dirais des besoins de... Réparation, ravitaillement, je sais pas trop. Et après ici, voilà, on a la production par contre de minéraux un petit peu plus basique qui est assez puissante. Ok, bon, et après, alors voilà, on a du coup ici sur les politiques, c'est pour démontrer un petit peu la nouveauté du bien-être de sécurité sociale. Donc du coup, ça augmente le bonheur, mais ça augmente bien entendu le coût en ressources de luxe, on va dire. Des populations de travailleurs. Les populations qui ne sont pas employées, on leur donne des crédits énergétiques. Ça nous donne du plus 10% de bonheur. Alors, une chose aussi, c'est que le bonheur n'influence plus la production. Alors qu'avant, ça influençait la production, maintenant, ça l'influence plus. Mais ça fait autre chose, apparemment, et je ne sais pas encore quoi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était juste pour avoir un petit peu une idée de ça. Ensuite, si on revient ici, on retrouve du coup les districts de ville. Alors là, vous voyez, on a un petit peu plus de place. Ça marche pas comme pour l'autre. Donc, on est à du 5 de housing. Donc, avec 4, ça nous fait 5 x 4, 20 normalement d'emplacement disponible. Pourtant, on est à 32 et 31. Là, on voit, il y en a un qui travaille pas. Donc, un qui est au chômage. Et ça nous donne des boulots de clerc, en fait. Ça nous donne du travail de clerc. Donc, j'imagine que ouais, ça nous donne deux boulots de métallurgie. Ça nous donnait des boulots d'extraction. Ça nous donnait des boulots... De nourriture et ça nous donne des boulots de clerc. Alors les clercs, c'est quoi? C'est les bureaucrates. Ouais, c'est ça, c'est les bureaucrates. Et si on fait 4, 2, 3, 4, ça fait bien 13. Donc on devrait pouvoir monter jusqu'à 19. En fait, ça permet de spécialiser les planètes. Si vous voulez avoir une planète avec que de la pop, vous pouvez le faire. Par contre, vous avez intérêt à produire suffisamment de nourriture sur une autre planète pour pouvoir les soutenir, les mecs, parce que ils vont être assez nombreux, quoi. Après, alors voilà, là on est sur une planète à coloniser, d'accord? Donc ce qu'on voit de base, c'est les emplacements de métallurgie, et on voit en fait ces espèces de trucs où on a des mines de cristal apparemment. Alors il disait que les mines de cristal c'était quelque chose d'assez important, ça donne des bonus apparemment intéressants, donc je sais pas du tout ce que ça donne. On n'a pas encore vu de screenshot du truc de dépôt ici, mais voilà un peu à quoi ressemble une planète non colonisée en gros. Et après, voilà, là, on a un petit peu une vision sur les bâtiments. Alors, les fameux bâtiments, du coup, voilà, on a fonderie d'alliage, donc coûte 2 en upkeep, mais ça nous produit, vous voyez, de l'industrie
permettant de produire de cette ressource là. Donc là il en produit 4 parce qu'il a un de ces trucs là, mais si vous voulez mon avis, voilà, c'est là, c'est civil manufacturing, ces trucs là ça produit justement les biens de consommation, on va dire, ou plutôt les biens de luxe entre guillemets. Donc c'est du boulot d'artisan par 20 infrastructures, sachant que ça c'est l'infrastructure, les 43, je suis quasiment sûr que c'est l'infrastructure. L'artisan transforme les minéraux et la nourriture en biens de luxe, vous avez vu ? C'est bien, c'est ce que je disais la dernière fois, donc on a l'extraction de base avec ça, et ça, ça doit en partie, je pense, jouer sur la transformation de ressources. En tout cas, c'est vraiment très très gros comme nouveauté, quoi, en fait, hein, par rapport à comment fonctionnait le jeu avant. Je veux dire, tous les trucs qu'on a vus sur ces screenshots sont absolument une révolution complète, quoi. Donc si on regarde, ouais, si vient de manufacturer, on est à 2 d'upkeep, plus 1 de job d'artisan, donc des jobs, on en a du coup un paquet. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Donc lui, c'est pareil, sauf qu'il nous produit de cette ressource-là. Alors je sais pas du coup tout ce que c'est comme ressource, mais bon, c'est des alliages, je pense, simplement. Après les Holo Theaters, ça doit nous donner un boulot d'artiste. Est-ce qu'il en a fait un, là? On a des résidences de luxe en plus, intéressant. Donc il a une Civil Manufacturies, une Alloy Foundries. Ça, ça doit être la capitale planétaire, qui doit donner, je pense, de l'habitation de base, sans avoir à construire de districts supplémentaires. On a un palais en plus qui nous rajoute aussi un truc inconnu au bataillon, là. Ce signe, ça ressemble à des points de dirigeants, un truc comme ça. Et là, on a comme de la culture, donc ça doit impacter ici, je pense. Ça doit impacter le bonheur, ça, quelque chose dans ce genre. Voilà, mais c'est le dernier screen pour l'instant qu'on a eu. Donc, si on doit faire un petit résumé, refonte déjà du système de ressources avec la distinction entre ressources produites, ressources transformées, production des vaisseaux à partir de ressources transformées, du coup, à ce qu'on a vu, hein. Refonte totale du système de planète, abandon du système de tuiles avec un bâtiment, une unité de ressources et une pop par tuile. Maintenant ça marche plus comme ça, c'est chaque équivalent de tuile peut recevoir un district. Les bâtiments dépendent de la quantité de population qu'il y a sur la planète, donc du coup j'imagine que, alors vous voyez, parce qu'en plus c'est plus un artisan job par 20 infrastructures. Donc au plus vous agrandissez les districts, parce que si on revient sur la page des districts, on a infrastructure plus 6 par district de cité. Donc si on a 4 districts, 6 fois 4, 24, si je dis pas de bêtises, oui. 24, il y a 23 de plus, donc comme je disais, je pense que la capitale planétaire, ça doit probablement jouer à ça. On voit ici aussi d'ailleurs la forteresse, ça doit être pour les armées, la défense. Et ça doit être pour la recherche, j'imagine, ça doit être... bâtiment de recherche, c'est obligé. Ouais. Donc en fait, rien ne vous empêche de faire un maximum de districts de cité, si vous voulez, par exemple, pour avoir un maximum d'infrastructures, pour en fait bénéficier d'un boost. Alors par contre, lui, il est juste à plus 1. Eux, c'est des trucs, c'est pas comparatif à ça. Mais après, c'est surtout l'avantage pour que, en fonction de l'infrastructure, vous ayez le plus de pop possible qui y a accès. Après, je sais pas. Je sais pas s'il n'y a pas d'autres moyens d'augmenter l'infrastructure. Il va probablement y avoir plein de trucs qui vont gérer différemment, quoi. Ça, c'est certain, en tout cas. Voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo de présentation des nouveautés de Stellaris. Donc, du coup, normalement, les Dev Diary reprennent début août, là, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Sachant que il y a d'assez fortes chances que les Dev Diary sont consacrés à tout ce que je vous ai montré pendant ces derniers jours, quoi. Et il n'y a pas eu de date de sortie annoncée pour cette prochaine extension. La seule chose que, à mon avis, peut être absolument certain, c'est que tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, ça va faire partie de l'update qui va être gratuite. Parce que tu peux pas modifier à ce point-là le jeu et le mettre derrière un mur de paiement. Parce que ça n'a jamais été dans la politique de Paradox. Quand ils ont eu tendance à faire des refontes de système comme ça a toujours été dans la partie gratuite. Il y aura peut-être des trucs à la con, comme des bâtiments supplémentaires ou... Des décisions particulières ou des trucs comme ça qui seront dans la partie payante de ce prochain DLC, mais le gros lourd de ce truc là sera certainement gratuite, ça me paraît logique. Après on verra, hein. je spécule depuis le début, voilà. Donc bon,
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le partager, à faire un tour sur la chaîne Tipeee si vous en avez envie, ou sinon à me laisser vos commentaires et à me dire ce que vous pensez de cette prochaine update et si vous avez hâte d'y jouer comme moi. Salut à tous !